Bon, salut à tous. Donc, vidéo sur le 103 Blue. Ça prend forme. Alors, ça, c'est le deuxième montage à blanc. Pour voir un peu l'emplacement de la chaîne. Donc, la barre de renfort que Marc m'a créée. Etc. etc. Donc, pour le bras aussi. Hein. Donc, on s'est pas fini de souder. Hein. En fait, c'est pour le montage à blanc. Après, on va déterminer, heureusement même. Parce que ici, donc, on a mis un champ plat, un fer plat. Un fer plat, il m'a fait une petite forme sympa derrière. Donc là, il sera bien renforcé devant. Le truc qu'on a fait, enfin, qui l'a fait là, il avait fait une patte comme ça, donc il vient jusqu'ici, il avait fait pareil en bas. Donc on va voir. Mais en fait, il a fallu tronçonner parce qu'autrement, ma chaîne passait pas. Donc il avait refait la petite modif. L'angle est bien. L'angle est bien, ça monte pas trop haut. Ce qu'on avait peur en fait, c'est que lui vienne toucher là. Bon, avant qu'il touche, il faut vraiment que je saute dessus. Donc moi, je l'ai posé au sol et puis j'ai sauté dessus pour voir un peu vraiment fortement. Non, il y a de l'espace encore. Donc voilà. Ici, justement, ce fer-là, il va falloir le déplacer. Il va falloir le mettre plus à l'intérieur parce qu'en fait ma suspension, on voit ici, vient toucher le fer et donc je peux pas serrer vraiment la suspension correctement. Là, on voit un peu, je sais pas si on voit comme ça. Enfin bref, donc en fait ça gêne un peu, en fait ça vient toucher ici là, le côté à l'arrière. Donc non, là je pourrais pas laisser comme ça. Donc celui-là faut qu'on modifie plus à l'intérieur. Donc après soudure ici. La béquille, c'est bon. Tac. Donc, repoussé à l'arrière. Donc, il m'a fait ça nickel aussi. Donc, pareil, hein, tout ça, je vais bavurer un petit peu et tout ça. Et donc, voilà, un petit peu de préparation aussi. Il faut que je bosse, moi aussi. De l'autre côté, donc, il m'a fait l'axe aussi. Là-bas. Donc, je ne l'ai pas parce que je l'ai oublié chez lui. Donc, je ne l'ai pas avec moi. Mais normalement, c'est bon. Hein. Puis l'autre, il est dans le camion. J'en ai un deuxième. Il est dans le camion, donc j'ai pas envie d'aller le chercher. Donc c'est pas mal. Au moins comme ça, je peux remettre un antivol. Ici, au niveau des axes, donc j'ai tout repris. Alors, je vais faire la base. Voilà. Donc là, il y a trois rondelles. Donc il faut que je refasse l'axe d'ici. Ouais, il faut que je fasse un plus long. Ouais, parce que bah, pour repositionner vraiment. Donc la chaîne, c'est pas mal. On voit l'alignement. Alors le seul truc qu'il va falloir que je fasse, donc ici il faut que je refasse entre toises de roue. Mais ici, je ne sais pas si vous allez voir, on va essayer d'agrandir. Est-ce que je vais voir. En fait, si voilà. En fait, on voit ici entre les deux, donc j'ai un espace, ça c'est mon support de jante. Normalement, le disque, la couronne est appuyée dessus. Et donc moi j'ai mis des entretoises pour l'instant. Voilà. Là vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est j'ai mis des entretoises, donc en fait pour décaler ma couronne, c'est le seul moyen que j'ai eu pour vraiment que je sois bien aligné avec mon plateau là-bas. Un peu pour que je sois vraiment bien aligné, articule. Donc je vais essayer de faire une platine, voir si Marc peut me faire ça, lui, une platine tout autour, hein, pour vraiment que ça soit bien appuyé dessus. Ou alors je pensais, mais vu l'épaisseur, prendre une vieille couronne. Prendre une vieille couronne, quoi, puis bah couper et rajouter une épaisseur derrière pour vraiment que ça soit pris avec. Donc, mais j'ai pas le choix. Ou alors il faut que je recherche voir s'il n'y a pas des couronnes pour Peugeot plus décentrées en fait, vraiment plus excentrées. Donc voilà, ça c'est une autre chose. Le frein c'est bon, hein, on voit que ça coulisse bien, tout nickel. Là c'est serré au taquet, donc c'est bon pour le frein à disque arrière.
Bah pareil, bon bah les fers sont soudés, donc bah la même histoire avec celui-là, il va falloir qu'on le déplace. Puis voilà quoi. Donc là on voit mieux, un petit peu mieux la forme à l'arrière. Ouais, voilà. Donc tout ça, ça a fignolé. Ah, et puis il m'a fait un axe aussi. Il m'a fait un super axe. Au lieu de retrouver un bras oscillant de Vogue et de découper et de récupérer, il m'en a carrément créé un. Et bah là, il a 2 points, mais après ça sera à finir de souder aussi. On voulait savoir si le positionnement était bon. Il m'a fait des petites pattes aussi pour mon câble. Donc super. Donc j'ai pris 3 points. Voilà, pour accrocher mon câble, pour ma durite aviation. Ici c'est bon. Après, dessus, les cale-pieds. Donc on voit qu'ici j'ai un cale-pied qui est à peu près ici, hein, par rapport à l'espace. Et quand on regarde l'autre de l'autre côté, bah il va sortir un paquet, quoi. Donc en fait, j'aime pas trop. Donc dans l'idée, sur celui-ci, je vais couper. Je vais le couper un peu. Le problème, c'est que je peux pas l'enfoncer à fond encore. Donc il faudrait couper là. Bien comprendre. Ah, il a du mal à zoomer. Donc le couper ici et retarauder, refaire un trou et un taraudage ici pour que je puisse le pousser un peu. Ce que j'aimerais en fait, c'est que lui, il vienne presque en contact ici, quoi. Donc il est vraiment pour gagner un peu, pour qu'il rentre un peu. Parce que je trouve ça pas joli. En fait, je sais pas si on va voir comme ça. Voilà. On voit au niveau de la suspension, il y a un côté vraiment qui ressort et pas l'autre. Donc si je pouvais atténuer un petit peu cet effet de longueur ici, là, le ramener. Donc voilà, là-dessus. Dessus, j'ai monté le moteur MR. Hein, donc avec lui, j'ai vu Michael au téléphone et puis on avait discuté un petit peu de ce système, ce que lui, en fait, il perçait par-dessus là. Du câble, il mettait un tube, il ressoudait tout, et en fait, il faisait passer, en fait, lui, montait droit comme ça, toc, toc. Donc, ouais, non, j'avais pas trop envie de faire ça. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai recoupé un et retarodé un pour le redescendre, mais au maximum ici, hein, mon coude. Donc, vraiment pour descendre le maximum. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une courroie, donc une 13 par 900. Hein. On voit la marque. Donc une 13 par 900. Et je vais essayer d'essuyer. Attention, on voit plus rien. On revoit. Je sais pas si c'est à cause de ça. Donc en fait, avec la 13 par 900, ce qui a permis en fait de remonter le moteur ici. Hein. Donc voilà, on voit ici, j'ai encore de l'espace. Donc en fait, le moteur, il est remonté comme ça, tac, au plus droit, quoi. Donc ça c'est possible de le faire en fait avec ces culasses là et ces moteurs là. Et je sais que j'avais essayé sur la Mini avec le refroidissement liquide mal aussi. Et il est trop volumineux. Et en fait on peut pas à chaque fois les durites, ça vient toucher là. Donc avec le R ça marche. Donc voilà. Et en fait ce qui se passe c'est que mon ressort dans l'histoire en fait il va être trop court au niveau de la patte d'ici. Hein? Donc on voit là j'ai mis... Ça va pas rester comme ça. J'ai mis un écrou avec une plaque, plus deux écrous, plus une plaque, vraiment pour le décaler, pour qu'elle soit tendue. Donc en fait, je vais encore demander à Marc s'il y a possibilité en fait de couper ici et de celui-ci en fait, le ramener là. Hein, bah pour pas que j'ai tout ça, quoi. Donc on va le modifier en fait pour qu'il soit ici là. Tac, à la place. Hein, ça m'évite de mettre tout ça décale, quoi. Donc voilà. Ça c'est un autre truc, donc bah, le ressort maintenant il a sa position, donc c'est cool en plus parce que bah, il est vraiment vraiment détendu. Donc après je serais peut-être obligé de passer avec un rouge, donc on fera l'essai. Dessus il m'a renforcé comme j'avais dit le dessous. Hein? Donc maintenant j'ai une plaque qui est vraiment épaisse. Donc ah, je viens de taper la main, ça fait mal. Là. Ah. Donc il m'a mis une plaque épaisse, donc maintenant je pourrais percer et tarauder dans celui-là. Donc pour recevoir après justement le radiateur qui sera ici pour l'hybride dans le projet suivant. Mais pour l'instant, ça sera avec le moteur MR. Je veux absolument qu'il tourne avec celui-là. Il m'a fait mon support, donc voilà. Donc ici, soudé là, maintenant j'ai une plaque costaud, pareil, comme ça je pourrais percer et tarauder, et ici je pourrais mettre des supports pour recevoir le radiateur. La fameuse patte.
Donc, je sais plus si j'en avais parlé. Gwen me dit, tiens, c'est marrant, t'as mis l'anti-guidonnement de ce côté-là. Et tu vas pas t'emmerder pour faire l'essence. Donc, ce qui est pas con. Donc, là, peut-être que je rabâche, parce que je crois que j'en ai parlé. Donc, bah, en fait, on a soudé la pâte de l'autre côté. Hein, ici. Et donc, mon anti-guidonnement sera de ce côté-là. Voilà. Dessus encore, qu'est-ce que j'avais dessus? Donc j'avais la queue, l'écale de la couronne, le ressort que je dois modifier, couper la tige de selle, hein, donc ça j'en avais parlé, je vais la couper pour pouvoir mettre une batterie à l'intérieur pour gérer tout ce qui sera compteur GPS. Modifier le support du vérin, donc voilà, parce que je lis en même temps, j'ai fait un pense-bête. Donc ouais, faut que je modifie celui-là parce qu'il est plus bon. En fait, le fait d'avoir mis là, et puis en fait, il est légèrement. Voilà, moi j'avais fait une position ici, donc toc toc toc. Et en fait, il est légèrement décalé, quoi. Hein, 1 cm à peu près. Donc bah il est trop court. Et en fait, j'aime pas du tout en plus comment j'ai fait. Parce que ici, il faut qu'il vienne un peu plus par là. Je voudrais qu'il soit aligné, le vérin soit aligné à la barre, en fait. Je voudrais une parallèle, quoi. Une parallèle du vérin. Donc il faut que je modifie cette patte-là. Et sans le pense-bête, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, les suspensions, donc bah ça, il faut que je voie pour ça. Et j'avais mis un autre truc. Les bras oscillants du trou. Alors, en fait, ici, là, ma roue, elle est vraiment en butée-butée. Là, je peux pas aller plus en avant. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reperce encore un petit peu, tac, la gorge, que je la rallonge un petit peu, quoi. Hein, pour essayer, justement, non, je sais pas si pousser là, pour voir si je peux pas encore ravancer un peu ma roue, quoi. Vu que j'ai de l'espace à l'avant. Pour essayer de voir la roue ici, puis hop, la ramener un tout petit peu plus en avant. Donc il faut que je vois par rapport à la longueur de chaîne aussi. Voilà un petit peu les news. Ah, je sais pas du tout, je pars dans un truc. Les durites aviation, donc que j'ai mis en place, l'arrière. Bon, l'avant, je sais qu'il va, donc je n'ai pas remonté. Mais j'ai cherché de la gaine en fait qui ressemblait à celle-ci. Voilà. Qui ressemblait à ça, donc la durite aviation. Et bah, je trouvais pas quoi. J'ai trouvé un autre, un bleu, mais c'est pas le même bleu. Donc ça m'embêtait en fait d'avoir deux couleurs différentes à l'avant. Et je trouvais que ce bleu-là allait bien aussi avec la poignée, quoi. Donc en fait, j'avais acheté une durite aviation. Je m'étais trompé en longueur. C'était un peu trop court. Donc en fait, ce que j'ai fait, bah, j'ai coupé carrément le. Je l'ai payé 9 balles, même pas 5 balles, je crois. Chez AliExpress. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'avant. J'ai coupé, et en fait, ça sera ma gaine d'accélérateur. J'ai coupé, je passerai mon câble à l'intérieur. J'ai regardé, le trou, c'est bien. Et voilà, là, je l'ai adapté. Et voilà. Donc, au moins, comme ça, maintenant, bah, la gaine, eh ben, elle est de la même couleur que les autres. Sauf c'est une durite aviation, mais ça sera la gaine du frein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, parce que je sais qu'à l'intérieur c'est du plastique, donc je pense qu'à force d'accélérer, machin, ça doit faire un super frottement. Donc ça se trouve, je vais me retrouver avec des pellicules de plastique en bas. Je sais pas du tout. Donc on verra bien. Je vais bien le graisser toujours pour que ça glisse bien dedans, pour éviter que ça soit bouffé. Mais voilà, quoi. Et puis bah c'est tout, quoi, pour l'instant. Le pot MR est monté dessus aussi. Donc faut que je rappelle Mickaël maintenant pour lui envoyer une petite photo pour lui dire où j'en suis. Parce que ça fait un petit bout de temps, on s'est eu au téléphone et tout, et je devais le rappeler, mais comme la mobylette n'était pas montée, donc là maintenant elle commence à prendre forme. Donc je pense que pour cet été, elle sera en route, quoi. Donc ici, bah si, ici le petit support. Non, en fait, ce que je vais faire aussi, je vais demander à Marc s'il peut me souder carrément le support du pot d'échappement sur le bras oscillant. Comme ça, au moins, comme ça, je serai plus embêté qu'il se dévisse ici ou quoi que ce soit. Il sera soudé dessus. Comme ça sera définitif. Et puis, bah ouais, le petit pot MR, quoi. Donc, le pot MR qui a été fait justement avec ce cylindre-là. Hein. C'est lui qui avait fait la préparation. Comme ça, il est bien accordé. Et je lui avais pris aussi le Kerbut 24 aussi qui va dessus, Polymi. Bah voilà. Et je crois que j'ai débité en combien? 13 minutes 56. Je vous ai dit tout ça. Même moi, je crois que je me suis saoulé tout seul. Ah si. Ça aussi, il m'a fait la modification. Donc, il m'a bien fait une platine, paf, qui passe à l'arrière. Et là, maintenant, bah, là, il tient, quoi. Là, c'est sérieux, quoi. Là, on voit qu'il ne bouge plus, ni il peut plus se dévisser. Donc, ça aussi, il m'a fait ça. Donc, c'est super. Non, je suis hyper content. Je le remercie beaucoup, Marc, parce que bah, grâce à lui, je peux avancer dans un joli projet. Un projet, c'est vraiment sympa.
Et puis un truc, ouais, un truc qui va envoyer après, quoi. Un truc qui va marcher, et puis une jolie pièce, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. Je vais la mettre sur ses roues dehors. Et puis, petite vidéo à tourner autour avec une petite musique sympa. Et puis voilà, quoi. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, enfin tout ce que vous voulez, suivant à l'heure que vous allez regarder la vidéo. Donc bah, je vous dis à bientôt. Allez, Kenavo, ciao.